Salut à tous, le colis du jour. Ça y est, ça arrive. Très impatient, j'ai vu dans les suivis que ça arrivait. Donc les premiers colis arrivent. Aujourd'hui, deux colis. On va voir ensemble les téléphones qui s'apprêtent à être testés. On ouvre le premier. Donc le premier, je sais c'est quoi. Il vient de AliExpress. Alors on va voir un peu l'emballage, ce que ça donne, ce qu'il y a dedans. Donc maintenant je fais plusieurs vidéos. Je fais une vidéo déballage et une vidéo. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Au moins c'est bien. Une vidéo déballage et une vidéo de test. Comme ça, moi, la vidéo de test dure moins longtemps parce que si je mets 5 minutes, 6 minutes à le déballer, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'au moins je mens pas, je déballe avec vous. Donc F1. Donc F1. VK World F1. Donc VK World, c'est une marque que je ne connaissais pas. Ils ont sorti quelques modèles, j'en ai deux que je vais recevoir, le F1 et le V700X. Il y en a un autre, mais j'ai pas encore pris, j'attends de voir déjà cela. Donc la boîte, voilà. Donc c'est un écran 4,5 pouces IPS, Colorful and Shining 3D Cover Back. Donc ça, non non mais non. Hein. Voilà, 2G 3G sans la bande des 900 comme d'habitude. C'est trop cher pour eux. De rajouter la bande des 900, c'est bien dommage. Après, bon. La boîte, ça ressemble un peu à la boîte du Blackview. Je crois que c'est lui, je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc. Un petit sachet avec le petit micro USB. Donc déjà, je précise que ce téléphone sera sûrement, sûrement, je dis sûrement, parce que bon, c'est jamais si vraiment il est exceptionnel, vu que je cherche un téléphone de secours, à la vente. Il sera sûrement à la vente au prix de. Au prix presque au prix d'achat, j'arrondis, allez, j'arrondis au supérieur, histoire de voilà quoi. Donc 50 euros. Voilà, donc je suis pas là pour faire de l'argent, je suis là pour faire des tests. Pour le moment, c'est pas ma priorité de faire des sous. Donc voilà, il sera au prix de 50 euros si certains ça intéresse. Le temps qu'il soit testé, je sais pas quand je vais le tester puisque j'en ai deux à tester là, du coup, et il y en a encore une troisième qui arrive. Donc la boîte, vachement sommaire. Je vois une petite film plastique qui dépasse, ça c'est super sympa. Une notice, oh, c'est quoi qui est tombé? La garantie. Une notice tout en anglais. Est-ce qu'il n'y a pas du français qui traîne par là? On va mettre un petit peu de lumière. Tac. Non, une notice en anglais. On va tout ranger ça. On va voir un peu le téléphone. Donc c'est le premier 4,5 pouces. Donc 4,5 pouces, je trouve qu'un téléphone de secours, ça me suffit largement. Je me vois mal me trimballer avec deux téléphones de 5,5 pouces dans la sacoche. Donc je trouve que 4,5 pouces, c'est le meilleur compromis. Ça pourrait être sympa d'avoir ça comme tel de secours ou comme le deuxième puce, comme j'ai deux puces. Donc voilà. Voilà le petit déballage. Le design assez simpliste, on va dire. Donc voilà, ça suffira pour le déballage. Je vais le mettre en charge et mettre toutes les applications et j'y commencerai le test dès que possible. Donc un petit pouce bleu, abonnement sur ma chaîne YouTube et abonnement sur mon site. Ça fait toujours plaisir et ça me fait progresser. Voilà, voilà à tous. Allez.